tous. Ça fait plus d'une semaine que vous n'avez pas de nouvelles de Moundir et je prends la possession de son Instagram pour vous dire pourquoi. Donc il est hospitalisé actuellement, il reçoit tous les soins nécessaires pour le soigner contre le Covid. Il est sous oxygène, il est très courageux, il revient de loin, de très très loin. Il lâche rien, c'est sa nature, il lâchera jamais rien. Et même dans ces moments-là qui sont très difficiles, il a eu une pensée pour vous tous et il m'a demandé de vous faire passer un message, de vous dire qu'il lâchera rien, qu'il continuera de mener ce combat avec vous, que justice sera faite et que s'il peut aider à ce qu'elle soit faite, il le fera, il fera tout son possible. Donc là, il se repose, il est sous oxygène, il commence à peine à se reposer en fait, à lâcher prise, il s'est senti à un moment donné partir. Encore, il s'est senti partir. Là, il a passé une nuit correcte. Il est toujours sous oxygène. Donc, voilà, c'est moi qui ai pris possession de son Instagram. Donc, le problème qu'il y a, c'est que je vois qu'il y a des centaines de messages qui arrivent tous les jours et je ne les lis pas parce que je ne veux pas les lire lui-même et vous répondre, en fait. Donc, du coup, je vois toutes les centaines de messages que vous écrivez. Et voilà, et il va vous répondre. Quand il ira beaucoup mieux, il vous répondra. Et puis après, il continuera le combat avec toute son équipe. Et voilà, il vous embrasse très fort. Et voilà, apportez-lui tout l'amour nécessaire, toutes les prières nécessaires. Et voilà, il arrivera à se battre avec votre aide aussi. Voilà, s'il la sent. Voilà, passez tous une bonne journée et prenez soin de vous et protégez-vous surtout.